Diac. Bonjour les amis! La dernière fois, nous avons étudié les formes géométriques et nous les avons utilisées pour décorer le terrain de jeu en construction. Je retourne à l'aire de jeu et je transporte de nouvelles formes qui serviront à fabriquer les portes du terrain de jeu. Aimeriez-vous jeter un coup d'œil à mon très important chargement? Aujourd'hui, dans mes wagons, il y a des solides géométriques. Mémorisons leurs noms. Les solides géométriques ont un volume, c'est-à-dire qu'ils occupent de l'espace. C'est pourquoi on ne peut pas les empiler comme nous l'avons fait avec les figures planes. Regardons de plus près les solides géométriques. Je pense que tout le monde connaît le nom de ce solide géométrique. Quel est-il? Oui, c'est un cube! Nous connaissons cette forme parce que nous avons tous joué avec des blocs. Maintenant, plaçons le cube sur une feuille de papier et traçons-le. Qu'obtenons-nous? Oui, c'est un carré. Mais n'oublions pas qu'un carré est une forme géométrique, tandis qu'un cube est un solide géométrique. Connaissez-vous cette forme? Son nom est assez compliqué. Un parallélépipède rectangle. Disons-le ensemble. Parallélépipède rectangle. Pourquoi rectangle? Découvrons-le. Regardez,
Nous avons placé notre parallélépipède rectangle sur une feuille de papier. Puis nous avons tracé son contour. Voilà un rectangle. Si vous placez n'importe quelle autre face d'un parallélépipède rectangle sur une feuille de papier et en tracez le contour, vous verrez qu'un rectangle y apparaît aussi. À quoi ressemble un parallélépipède rectangle? À une boîte. Et tout comme les boîtes, les parallélépipèdes rectangles peuvent être très différents les uns des autres. Connaissez-vous le nom de cette forme? C'est une pyramide. Reconnaissez-vous ces pyramides? Vous avez raison, ce sont les grandes pyramides d'Égypte. Que voyons-nous si nous plaçons une pyramide sur une feuille de papier et traçons le contour de sa partie inférieure? Un carré. Ce type de pyramide s'appelle une pyramide carrée. Peut-être y découvre-t-on aussi une pyramide triangulaire? La voilà. La partie inférieure de la pyramide, ou plus précisément la base, peut être formée de n'importe quel polygone. C'est pourquoi il existe des pyramides pentagonales, hexagonales ou octogonales. Que se passe-t-il si la base de la pyramide n'est pas un polygone, mais plutôt un cercle? Eh bien, ce n'est plus une pyramide. Cette forme s'appelle alors un cône. Jouons à un jeu. Pouvez-vous trouver les cônes qui se cachent parmi les pyramides? Oui, ces formes sont des cônes. Elles se distinguent aussi par leurs aires latérales. Une pyramide est munie d'arêtes, mais les cônes n'en ont pas. Toutefois, les deux formes se ressemblent. Le cône et la pyramide sont tous les deux dotés d'une base et d'un sommet. Regardez, ici aussi, il y a des cônes et des pyramides. Où se cachent les pyramides? Vous avez raison, ce sont le toit des maisons. Regardez de plus près. Les toits sont-ils tous en forme de pyramide? Non, ici, les toits sont d'une autre forme. Et où voyez-vous les cônes? C'est vrai, sur les tours du château. Connaissez-vous ce solide géométrique? C'est un cylindre. Un cylindre est muni de deux bases qui sont toutes les deux des cercles. Bien sûr, tout le monde connaît ce solide géométrique. C'est une sphère. Elle conserve toujours sa forme, peu importe la direction dans laquelle on la fait pivoter. Est-ce qu'une sphère est dotée d'angles? Non.
Regardez, la sphère roule. Voyons les autres formes que je transporte dans mes wagons. Quel solide géométrique intéressant! À quoi ressemble-t-il? À un beignet. Et aussi à un des anneaux d'une pyramide colorée ou à une bouée de sauvetage. On l'appelle un tore. Et ici, nous avons un prisme. Tout comme un cylindre, un prisme est muni de deux bases. Mais rappelez-vous que les bases du cylindre sont des cercles, tandis que celles d'un prisme sont des polygones. Il existe toutes sortes de prismes. Si la base d'un prisme est de forme triangulaire, on l'appelle prisme triangulaire. Si la base d'un prisme est de forme hexagonale, on l'appelle prisme hexagonal. Et ainsi de suite. Très bien fait, les amis! Vous avez appris quelques-uns des solides géométriques. Allons-y maintenant afin de découvrir les solides géométriques qui se cachent parmi des objets familiers.